少女はお茶会に遅れないよう、もう何日も眠ることができない、いや寝れないでいる、寝たらダメだ、寝たら死ぬ。S'il est une chose que j'ai pu découvrir au fur et à mesure de mes recherches sur les criminels japonais, c'est que le climat social et sociétal tient toujours une place prépondérante dans le basculement des meurtriers. Plus que cela, le terreau de ce basculement, l'état de la société, à un moment T, nous en apprend souvent beaucoup plus sur le criminel que n'importe quelle analyse a posteriori. Comme le chaos de fin de guerre facilita les crimes de Ishikawa Miyuki, les atrocités de la guerre, ceux de Kodaira Yoshio, l'extrême dénuement des familles de la fin des années 40 sema les graines de la révolte et de la violence dans le cœur de beaucoup d'enfants. S'il y a bien un criminel emblématique de ces années d'errance sociale et idéologique, c'est bien Nagayama Norio. Victime de la société pour certains, monstre froid pour les autres, il déchaîna les passions à la fin des années 60. Symbole de la lutte pour l'abolition de la peine de mort au Japon, ce meurtrier en série a, en quelque sorte, trouvé sa rédemption durant ses longues années de prison. Devenu un écrivain reconnu et primé, il a côtoyé de grands noms des courants libertaires et socialistes japonais qui demandaient sa grâce. Penchons-nous sur son histoire qui explique sans doute bien des choses, même si elle n'en excuse aucune. Nagayama Norio est né le 27 juin 1949 à Abashiri, sur l'île de Hokkaido, avant-dernier d'une famille de 8 enfants qui vivaient continuellement au bord de la misère. Son père était élagueur et gagnait le strict minimum pour ne pas jeter sa famille à la rue. Sa mère, quant à elle, faisait son possible pour élever leurs 8 enfants et les nourrir au jour le jour. Même si le Japon des villes commençait à retrouver un relatif bien-être, celui des campagnes et surtout celui des territoires reculés connaissait toujours des temps rudes depuis la fin de la guerre. Hokkaido, île la plus au nord du Japon et au climat très rude, attendait toujours son miracle économique. Alcoolique et cassé par son rude travail, le père décéda jeune en laissant sa femme et ses enfants dans une situation critique. Le petit Norio n'avait que 4 ans. Dans les mois qui suivirent, son frère aîné mit sa petite amie enceinte et la mère Nagayama prit l'enfant illégitime au foyer pour s'en occuper. Inquiète de cette bouche supplémentaire à nourrir, froide mais pragmatique, elle fit placer sa fille aînée souffrant d'un handicap mental dans un institut psychiatrique. En 1954, Nagayama a 5 ans. Déjà très chétif, il maigrissait pourtant et encore à vue d'œil. De son côté, sa mère n'y arrivait plus. Elle tomba même dans une profonde dépression et finit par s'enfuir chez sa mère à Aomori, laissant 4 de ses enfants, dont Norio, derrière elle, ne pouvant pas acheter les billets de train pour tout le monde. Elle promit de revenir les chercher au plus vite, mais n'en fit rien. Seule avec 2 de ses frères et une sœur, Nagayama dut participer à la survie du foyer. Alors son frère le plus grand l'envoya mendier et voler des restes de poissons sur les marchés et dans le port. Plus petit et plus frêle que les autres, il devint le souffre-douleur de sa sœur et de ce grand frère. Remarquant ce très jeune enfant qui fouillait les casiers de pêche tous les jours et qui, en plus, portait des traces de maltraitance apparente, un voisin donna l'alerte en contactant les services sociaux. Le bureau à l'enfance envoya les 2 frères chez leur grand-mère de Aoyama, rejoignant également leur maman, mais la sœur, jugée trop faible et présentant également des signes de maladies mentales évidents, fut envoyée dans un centre hospitalier spécialisé. Norio, quant à lui, avait fugué juste avant et avait choisi d'aller habiter avec sa grande sœur, la seule qu'il aimait vraiment et qui le lui rendait bien. Il avait pris le ferry tout seul, sans ticket, en se cachant dans des casiers de marchandises et avait parcouru tous ses kilomètres dans le froid et par ses propres moyens. Se sentant en sécurité, il s'installa et resta avec cette sœur protectrice. Il eut une scolarité plutôt médiocre, ne s'intéressant pas vraiment à ses études, mais plutôt à la course de relais dans laquelle il se montrait plutôt doué. Il termina le collège et rétala ses études, sans amis ni petit ami, passant tout son temps libre avec sa sœur. En 1965, à 16 ans, il déménagea à Tokyo et trouva un travail plutôt agréable dans le magasin de fruits Nishimura, situé à Shibuya. Fréquenté par une clientèle aisée, le magasin de fruits devint le théâtre de nouvelles expériences pour le jeune garçon.
L'une de ses riches clientes était la sublime actrice Iwashita Shima, épouse et égérie du réalisateur Shinoda Masahiro. Alors le jeune homme commença à rêver de ce monde qu'il ne connaissait pas. Très complexé par sa taille, moins d'1,60 m, ses yeux trop rapprochés et son accent de Hokkaido mêlé de patois Tohoku, que l'on parle là-bas, il n'osait pas aborder les filles et se morfondait dans un célibat forcé. Ce fut à cette période de sa vie qu'il commença à commettre de petits vols à la roulotte de ci de là, dérobant vêtements et petits accessoires. Mais sa vie prit un tournant inattendu et décisif au matin du 29 juillet 1965. Alors qu'il se rendait au travail, à quelques rues du magasin de fruits, il assista à la fusillade commise par Katagiri Misao dans laquelle le forcené abattit un policier et blessa 16 personnes. Fasciné par ce qu'il venait de voir, il dira plus tard s'être rappelé de tous les détails de cette tuerie sans en avoir jamais ressenti aucune peur. Quelques jours plus tard, il décidera de tout plaquer et de partir à l'aventure. Son odyssée fut de courte durée puisqu'il se fera arrêter par la police alors qu'il tentait de débarquer à Hong Kong, embarqué clandestinement sur un cargo danois. Il sera renvoyé au Japon et appréhendé par la police des frontières dans le port de Yokohama. Il écopera d'un peu de sursis et sera placé sous les soins d'un de ses frères qui lui trouvera du travail dans son garage et l'hébergera dans sa ville d'Oyama, préfecture de Totigi. Nagayama s'ennuya très vite dans cette routine qu'il craignait tellement, avec tous ses rêves d'aventure, alors il reprit la route sans en avertir personne moins de 2 semaines plus tard. Il se fera arrêter par la police le 8 novembre à Utsunomiya pour un petit vol à l'étalage dans une boucherie. Le 22 novembre, son frère le tira d'affaire pendant son passage devant le tribunal, payant l'amende et se portant caution pour lui. Il proposa à son frère de reprendre son travail au garage, mais il refusa et disparut à nouveau dans la nature. Durant les mois qui suivirent, il travailla dans un magasin de vêtements à Osaka, une brasserie à Tokyo, fut même embauché comme groom au Tokyo Terminal Hotel de l'aéroport de Haneda. Son envie de s'extraire de sa condition sociale et de sa vie monotone et son surprise le tenaillaient toujours. Il se disait au fond de lui qu'un destin l'attendait, qu'il avait quelque chose à accomplir. Il l'écrira plus tard dans nombre de ses publications. Voir tous ces voyageurs, ces riches étrangers et ces militaires en transit lui donna une idée. Le 6 septembre, il s'introduisit de nuit dans la base militaire américaine de Yokosuka pour y voler suffisamment de dollars et s'enfuir vers les horizons de son destin. Mais voilà, mal préparé, méconnaissant totalement la géographie du lieu et très brouillon dans son exécution, il ne vola qu'une petite poignée de billets verts et fut arrêté par la police militaire américaine qui le remirent aux autorités japonaises. Toujours mineur, c'est cette fois sa mère qui sera convoquée pour l'audience et sommée de prendre son fils en charge et de s'en occuper sous peine de le voir emprisonné et, pour elle, décoper d'une forte amende. Elle se rendra bien au tribunal mais ne fera rien pour son fils qui se retrouva à nouveau livré à lui-même. Pensant, certainement avec raison, que son destin serait aussi lié à son éducation, il travaillait sa diction et son allure et s'inscrivit également à des cours du soir, souhaitant rentrer au lycée et, plus tard, pourquoi pas tenter d'entrer à l'université. La journée, il travaillait dur dans une laiterie du quartier de Nakano, étudiait le soir et la nuit, et bientôt, il se retrouva à bout de force, disant qu'il faisait certainement ça en vain. Il dira plus tard avoir pensé au suicide à cette période de sa vie. Un jour, apprenant que la jeune force d'autodéfense japonaise, un ersatz d'armée autorisé par l'occupant américain, recrutait et offrait des formations scolaires gratuites aux jeunes recrues, Nagayama tenta de s'enrôler. Mais avec sa faible corpulence et son état physique bancal, il échoua. Malgré ses échecs et les grandes difficultés qu'il rencontrait, il courait toujours derrière ses rêves et ne se laissa pas décourager. 3 ans après sa première tentative, il s'embarqua à nouveau comme clandestin dans un cargo. C'était d'Afrique et de dépaysement dont il rêvait à ce moment-là de sa vie, fasciné par les récits de marins et de militaires qu'il entendait, mais aussi par les livres qu'il lisait, mal certes, mais il aimait tellement la lecture. Son aventure africaine commença dans le port de Kobe à bord d'un navire français et s'acheva à Yokohama. Il fut pris par les douanes, caché à fond de cale lors d'une inspection du navire. Cette fois encore, il s'en tira bien, mineur et accusé d'un délit, mineur lui aussi, il ne fut pas condamné par le tribunal pour enfants. Une fois encore, sa mère fut convoquée, mais cette fois, elle ne vint pas. Nagayama était à bout.
Volontaire mais chétif, combatif mais aussi d'un naturel sombre, il décida que son destin, car il savait qu'il en avait un, il le vivrait autrement, du style être violent, toujours obsédé par la fusillade à laquelle il avait assisté quelques années auparavant. Malheureusement, ce destin et celui de ceux qui allaient croiser sa route prirent racine ce jour du 10 février 1966. Il avait appris de ses erreurs et avait sympathisé avec des GIs américains lors de soirées dans les clubs de la ville. Il avait bien noté dans un coin de sa tête l'organisation de la base et les routines de chacun, alors il s'introduisit à nouveau dans la base américaine de Yokosuka, évitant les bêtises de la première fois. Il pénétra dans un baraquement inoccupé dont la porte était restée ouverte, celui du sergent-major Tampawan, à qui il déroba une baïonnette, un revolver 22 long rif, une boîte de 50 cartouches et un grand mouchoir brodé d'un M pour y transporter son butin. Constatant le vol, le militaire ne le signala pas à sa hiérarchie par peur des sanctions. N'ayant jamais touché une arme de sa vie, Nagayama se rendit au parc de Mikasa, près du port de plaisance, et tira 10 cartouches sur des bouteilles et des boîtes de conserve pour s'entraîner. Il passa quelques mois à ruminer et à errer, son véritable but que celui de provoquer son destin criminel, attendant le moment opportun. Ce fut le 11 octobre vers 11h50 qu'il tua pour la première fois. Alors qu'il tournait en rond dans les jardins du très chic Tokyo Prince Hotel, un agent de sécurité l'interpella et le pria de quitter les lieux. Alors que l'agent attrapait son bras pour les conduire, Nagayama se retourna et lui tira 2 balles mortelles. Il prit la fuite calmement, pour ne pas éveiller les soupçons, rendit visite à son frère quelques heures plus tard, puis prit le train pour Kyoto. 3 jours plus tard, le 14 octobre, il se rendit au temple de Yasaka dans le quartier historique de Gion à Kyoto. Peu fréquenté à cette période de l'année, il tenta de rentrer dans une partie interdite du sanctuaire où il savait y avoir des entrepôts dans lesquels il pourrait dormir et sans doute shipper quelques petites choses de valeur pour subsister quelques jours de plus. Mais alors qu'il franchissait la barrière en bois, un gardien l'interpella et lui demanda où il comptait aller. Nagayama sortit sa baïonnette et le menaça, lui répondant qu'il allait où il voulait. Apeuré, le gardien du temple se mit à appeler au secours, à la police. Agacé par les cris désespérés de l'homme, le meurtrier sortit son revolver de sa poche et lui tira une balle dans la tête à bout touchant, le tuant sur le coup. 2 agents de police qui avaient entendu l'appel à l'aide et grimpé les marches du temple prirent peur en entendant le coup de feu et se mirent à courir en sens inverse pour se mettre à l'abri. Nagayama, lui, eut le temps de s'enfuir et de quitter la ville. Il voyagea quelques jours, empruntant des trains locaux de petits tortillards plus faciles à frauder, puis visita l'un de ses frères qui vivait à Ikebukuro, un quartier de Tokyo, pour s'y reposer. C'est là que, pris de remords et d'une crise d'angoisse, il avoua ses crimes à son frère en lui montrant son revolver. Celui-ci lui dit d'aller se rendre à la police, mais Nagayama déclina son conseil en lui affirmant qu'il était en route pour Hokkaido, leur île natale, pour s'y suicider et y reposer en paix. Ayant fait jurer à son aîné de ne rien dire, le fugitif se rendit à la gare pour y acheter un billet de train pour Hokkaido, mais il dut se rendre à l'évidence, il n'avait plus un sou en poche. Le 26 octobre, il prit un taxi pour Hakodate, ville méridionale de Hokkaido, avec en tête la promesse qu'il avait faite à son frère. Toujours sans un yen, il demanda au chauffeur de le conduire dans un quartier sombre de la grande banlieue, prétendant y habiter, et... À 23h13, passa le canon de son 22 long rifle sous l'appui-tête du conducteur et lui tira une balle dans la nuque à bout touchant. Il vola la recette du jour, soit environ 8000 yens, 23 euros d'aujourd'hui, et partit à pied jusqu'au centre-ville. Son cœur battait à 100 à l'heure, pas de peur, non, c'était une excitation incroyable, la même qu'il avait pu ressentir chaque fois qu'il avait appuyé sur la détente. Il passa la soirée dans un cinéma devant un polar engagé, Burai, le grand gangster, écrit par Fujita Goro, un yakuza reconverti et écrivain à succès dont les œuvres portées à l'écran magnifiaient légèrement le meurtre. Chamboulé par ce film, il renonça à son projet suicidaire, quitta Hakodate, puis Hokkaido pour se rendre à Nagoya. Il avait toujours aimé le port de cette ville et pensait qu'un petit séjour dans cette baie magnifique lui ferait oublier ses idées noires et meurtrières. Dans la nuit du 4 au 5 novembre, il prit un taxi pour s'y rendre et, à mi-chemin, abattit le jeune chauffeur de 22 ans d'une balle dans la nuque. Il lui vola 7000 yens, environ 20 euros d'aujourd'hui, et repartit à pied voir la mer.
Voyant l'impasse dans laquelle il se trouvait, Nagayama décida de se débarrasser de son arme, responsable selon lui de ses pulsions. Il alla l'enterrer dans le jardin du temple d'Aishōin à Yokohama et repartit pour Tokyo. Il fut embauché dans un café jazz branché du Kabukicho, le quartier chaud de Tokyo, le Club Village Vanguard. Il y travailla comme serveur avec d'autres garçons de son âge, tous étudiants, dont un certain Kitano Takeshi. Le réalisateur-acteur dira de son ancien collègue que c'était un taiseux à la mine sombre et désespérée, mais gentil et intelligent. À la même époque, il y servira Murakami Haruki, le futur romancier à succès qui étudiait alors la littérature à l'université de Waseda, mais aussi le futur cinéaste Adachi Masao, qui des années plus tard adaptera la vie du tueur à l'écran. Enthousiasmé par ce milieu intellectuel bouillonnant, Nagayama se rêvait alors un avenir et pensait avoir enfin trouvé la clé de son destin. Désireux de reprendre ses études sérieusement pour rejoindre le groupe de ces artistes qu'il admirait tellement, il écrivit à sa mère pour lui demander de l'argent. Il lui demanda 10 000 yens, 29 euros d'aujourd'hui, mais 300 euros en valeur équivalente, prétextant des travaux sur la voiture d'un ami, mais ne reçut que 5 000. Il dut une nouvelle fois remettre son projet estudiantin à plus tard, mais n'y renonça pas pour autant. Depuis le début de sa série de meurtres, la police recherchait activement le tireur criminel et avait accumulé les indices et les témoignages. Les brigades anticriminelles de Tokyo, Kyoto, Nagano et Hakodate travaillaient de concert et le profil du tueur avait pu être établi. Tous les commissariats avaient son signalement et un portrait robot vaguement ressemblant. Les journaux relayaient bien sûr les avancées de l'enquête et Nagayama savait qu'il était recherché. Il avouera plus tard que ce savoir traqué par la police ne lui fit ni chaud ni froid et qu'il ne changea rien à ses habitudes, sûr qu'il était qu'on ne le prendrait jamais. C'est le 7 avril 1969 que tout s'arrêta pour lui. Toujours en quête d'argent, il s'introduisit dans l'école anglaise Hatsubashi à Sendagaya, un quartier de Tokyo, ayant entendu de la bouche d'un client de son bar que l'école conservait beaucoup de liquide dans ses bureaux. Mais au petit matin, alors qu'il fouillait les locaux, un agent de sécurité le repéra, l'immobilisa sans trop de difficultés et appela la police. À 7h40, la police le plaça en garde à vue au commissariat de Yoyogi. Lors de la fouille, ils trouvèrent une montre Rolex volée ainsi qu'une fausse carte d'étudiant de l'université Meiji. Le suspect rapidement rapproché du tueur au 22 Longreve par les enquêteurs avoua tout très vite et sans rechigner. Âgé de 19 ans au moment de son arrestation, il était donc mineur selon la loi japonaise et fut placé dans un centre de détention spécial. Du début de son incarcération jusqu'à son exécution, il passera 28 ans en prison, déchaînera les passions et les polémiques, mais aussi deviendra un autre homme. En 1979, et après 10 ans de procédures et d'expertises en tout genre, il fut reconnu parfaitement conscient de ses actes, mais aussi mu par une volonté idéologique. Il s'était beaucoup rapproché des mouvements proches de l'armée rouge japonaise par le biais de certains membres emprisonnés avec lui, et il sera condamné à mort par la cour de Tokyo. Après plusieurs appels et en pleine période de débat sur la peine capitale, sa sentence sera commuée en peine à perpétuité par la haute cour en 1981. Deux ans plus tard, et sous la pression des familles de victimes et des politiques anti-abolitionnistes revenues sur le devant de la scène, la Cour suprême de Tokyo se saisit du dossier et motiva son souhait de revenir à la peine initiale. Après 4 ans de bataille juridique, Nagayama se vit signifier sa condamnation à mort pour la seconde fois en 1987, puis de façon définitive après un dernier appel en 1990. Il aura passé 14 ans dans le couloir de la mort lorsqu'au matin du 1er août 1997, alors même qu'une grâce était en bonne voie, le ministre de la Justice ordonna son exécution pour apaiser l'opinion publique sous le choc d'une nouvelle tuerie commise par un mineur. Mais que se passa-t-il en prison pour que tout un microcosme d'intellectuels et d'artistes se batte pour un criminel comme Nagayama ? Déjà très en demande de savoir et de concepts, il vivait comme une frustration ce manque d'éducation et de culture, surtout après qu'il ait rencontré ses brillants étudiants de Tokyo. À peine incarcéré, il se plongea dans l'étude et la lecture, rattrapa son retard scolaire et dévora les classiques de la littérature japonaise, européenne et américaine, mais aussi les philosophes dont Karl Marx. Il entama alors une véritable réflexion sur ses crimes et sa condition et relia les premiers à la seconde. Toute sa défense, mais aussi sa construction intellectuelle, se basa dès lors sur cette conscience de classe.
C'était l'extrême pauvreté de ses parents qui avait fait de lui un criminel, il en était sûr et développa toute sa recherche de sens dans celui-là. Dès 1970, il commença à produire des textes très appréciés par les milieux intellectuels marxistes de Tokyo et, en 1971, grâce à l'écrivain Inoue Matsuharu, il publia son premier livre, Muti no Namida, les larmes d'ignorance, autobiographie teintée de nihilisme, de politique et de romantisme noir. Le livre devint un best-seller dont tous les bénéfices furent reversés aux familles des victimes sur décision de la cour. En pleine période de contestation sociale et de transformation de la société japonaise, les propos de Nagayama sur la lutte des classes et la criminalisation des plus pauvres trouvèrent une certaine résonance. Il écrira 9 livres derrière les barreaux dans Mokokyo, le pont de bois, qui recevra le prix du nouveau roman en 1983. Les classiques de la littérature classique japonaise se révolteront contre le succès de l'auteur criminel et feront entrer Nagayama dans le monde des auteurs underground et contestataires, ne faisant que renforcer son succès. En 1980, il épousa même une de ses lectrices, fervente militante d'extrême gauche, Kazumi, une jeune femme nippo-philippine vivant aux États-Unis, qui créera des liens avec sa famille et participera même à leur rapprochement. De par ses positions révolutionnaires, l'écrivain meurtrier influença beaucoup de jeunes auteurs et d'étudiants idéalistes, dont Nagata Hiroko, la terroriste de l'armée rouge japonaise unifiée, condamnée à mort elle aussi pour de nombreux meurtres. Alors certes, pour en avoir lu 2, les livres de Nagayama sont très bien écrits, solidement argumentés et référencés, mais très vite, surtout dans le cas de Muti no Namida, on voit peser l'ombre de la justification facile comme une tentative de se dédouaner de ses meurtres. Aujourd'hui, plus que jamais, les polémiques et discussions sont nombreuses et interminables sur la différence entre l'homme et l'auteur, la personne derrière l'artiste. Mais dans le cas de Nagayama Norio, y avait-il une si grande différence entre les deux ? Voilà. J'espère que cette affaire vous aura intéressé et appris quelque chose sur ce pays qui, quoi qu'il en soit, reste le mien. Si vous appréciez mes contenus, n'oubliez pas de vous abonner, c'est très important pour l'avenir de la chaîne, et activez la petite cloche pour recevoir les notifications de sortie. Si vous le voulez et le pouvez, vous pouvez soutenir la chaîne sur Tipeee et Utip ou en faisant un tour sur la boutique satsujin.fr où vous trouverez mes livres que je vous dédicace à la demande, le CD Satsujin OST, pas mal de CD de groupes japonais que vous pouvez entendre dans mes vidéos et quelques goodies. Vous pourrez trouver les t-shirts Satsujin dans la boutique ou sur ma page Spreadshirt, mais ça, je vous en parle régulièrement via mes réseaux sociaux, Twitter, Instagram et Facebook, alors venez m'y rejoindre. Je vous laisse, j'ai d'autres dossiers à dépoussiérer. Matane!
terre.